Alors, dans cette deuxième partie, nous allons montrer comment nous nous connectons à la machine virtuelle qui vient d'être installée. Donc, comme on peut le constater dans la vitre de commande, nous sommes dans le répertoire d'installation de cette box Vagrant. Si on fait Vagrant Up à nouveau, normalement il va nous dire que la machine est déjà opérationnelle. On peut le constater dans VirtualBox, elle fonctionne. On a sa fenêtre de connexion qui est d'ailleurs apparente. On peut essayer de se connecter à l'intérieur avec l'utilisateur Vagrant, mot de passe Vagrant. Et si on fait un PS, on voit apparaître des processus comme PostgreSQL ou Apache. Voilà, donc là notre système Linux dans la machine virtuelle fonctionne et nous allons essayer de nous connecter dessus depuis le navigateur web. Donc on va utiliser l'adresse de notre machine locale, la machine localhost, et nous allons nous connecter au port 8080 qui est lui-même redirigé à l'intérieur de la machine virtuelle sur le serveur HTTP. On voit que ça fonctionne, nous aboutissons à la page d'accueil de la documentation de notre machine virtuelle. Si on essaie de se connecter à l'application qui est dans la machine virtuelle, l'exerciceur de requête PHP, on voit que l'application apparaît et on peut lancer une première requête SQL sur la base de données, ça fonctionne. De la même façon, on peut accéder à PHP PG Admin, l'environnement de supervision, administration de PostgreSQL. En se connectant avec l'utilisateur Postgres, on a accès à la base de données et à toutes les bases de données, on peut administrer le serveur Postgres. On peut créer des tables, supprimer, bref, on a un serveur PostgreSQL complètement opérationnel à l'intérieur de la machine virtuelle. Voilà, merci de votre attention.